Embarquons immédiatement sur ce train express Douala-Yaoundé, lancé définitivement ce jeudi après les ultimes réglages et le voyage test du ministre des Transports le 29 avril. Le train express Douala-Yaoundé, désormais ouvert aux 580 passagers attendus, il effectuait son voyage inaugural depuis la gare de Bessengué à Douala jusqu'à celle de Eligesono à Yaoundé. La cérémonie placée sous le patronage du premier ministre chef du gouvernement était aussi l'occasion pour le ministre des Transports de procéder à la mise en service de 4 nouvelles locomotives impulsées par l'État du Cameroun. Découvrons ces innovations dans ce reportage de Agnès Solange à Besolo. Halètement sourd, digne d'une locomotive neuve qui rentre en gare. L'engin fait partie des 4 mises en service ce jeudi pour le transport voyageurs. Les 3 autres sont affectés au train couchette sur le trajet Yaoundé-Gandéré-Yaoundé. Des engins qui répondent aux normes internationales, ce qui vient renforcer davantage la politique ferroviaire engagée pour le bien-être des populations. Ce train est à la disposition des personnes qui vivent entre Douala et Yaoundé, donc nous avons 5 arrêts au total. D'une capacité de 376 places assises, le train express est composé de 3 voitures première classe, 5 autres de classe premium, un fourgon générateur et une voiture bar-restaurant. Cette nouvelle offre de transport à laquelle il faut adjoindre les 3 locomotives restantes contribuera significativement à la diminution du déficit de l'activité voyageur qui constitue à ce jour un important poste de dépenses pour l'État du Cameroun. Des services que les invités membres du gouvernement et directeurs généraux ont eu le plaisir de découvrir au cours de cette cérémonie de lancement présidée par le représentant du Premier ministre chef du gouvernement. Une offre de transport de qualité chère à l'État, engagée dans un processus de reconstruction des infrastructures ferroviaires. 25 nouvelles locomotives viendront enrichir nos rails bientôt. Dès l'entrée de la gare voyageurs, la sécurité des personnes et de leurs biens est de mise. Nous respectons scrupuleusement les mesures gouvernementales. Tous nos principaux centres de production, Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, Belabo, ont des tunnels de désinfection. Il y a des contrôles température qui sont réalisés. Les salles d'attente respirent la nouveauté, tout autant que les voitures climatisées comportant des commodités de nature à assurer un voyage de choix. Nous avons un élément nouveau qui est la présence d'un bar-restaurant qui est un espace convivial. Les différentes rames entièrement rénovées assorties aux 4 wagons de dernière génération, dernière acquisition de l'État, mettent sur les rails la reprise du trafic ferroviaire. Moins de stress donc pour le voyageur.